Hé, hey, Eva! Viens dans mon bureau, j'ai quelque chose. Neil, où es-tu? La réunion a commencé depuis 1 heure! Quoi? Salut tout le monde, c'est Seven Happy Muffins et je vous retrouve pour ce mini-sode. Ce premier mini-sode pour To The Moon. Donc il est sorti pour les fêtes de fin d'année 2013, mais voilà, il n'a jamais été traduit en français, donc il est en anglais. Et donc, je vais essayer de vous en faire une petite traduction en temps réel, sachant que j'ai déjà tourné l'épisode une première fois, mais le son n'était pas super, donc je sais un peu ce qui m'attend déjà niveau texte. Voilà. Donc sans plus attendre, c'est parti! Attends, il n'y a pas de réunion aujourd'hui. Oui, et je ne suis pas idiote. Deux fois dans la même journée, vraiment. De plus, c'est vraiment dangereux. Et si c'était tombé sur ma tête sans se renverser? Mais c'est tombé sur ma tête. C'est différent, la tienne est plutôt dure. Bon, je t'ai déjà eu une fois. Excuse-moi de t'avoir donné une chance d'égaliser les scores. Mais sérieusement, passe dans mon bureau. J'ai vraiment un truc à te montrer. C'est juste... donne-moi quelques minutes. Tu ne vas pas dire bonjour en bas? Peut-être plus tard. Prends-moi quelque chose à boire si tu y vas. Voilà, et donc, on est aux commandes d'Eva. Bureau du docteur Logan Boswell. Docteur du... Bureau du docteur Robert Lynn. Bureau du docteur Roxanne Winters. Bureau du docteur Neil Watts. Bureau du docteur Eva Rosaline. Donc, vous voyez, ils ont leur bureau l'un en face de l'autre. Cher journal, aujourd'hui je... Mince, je ne peux pas laisser mon journal ouvert comme ça. Il vaut mieux que je le cache quelque part avant quelqu'un le voit. Bon, on ne saura pas ce qu'il y a dans le journal d'Eva. Dommage. Bureau du docteur Willis Macmillan. Bureau du docteur Lisa Vasquez. Bureau du docteur Eddie Doyle. Bureau du docteur Taïma Macmillan. Donc ouais, c'est un homme et une femme qui travaillent, qui sont mariés et qui travaillent ensemble. Et... Ah bon sang, j'ai spoilé. Docteur Toilette. Voilà, donc ils ont de l'humour chez Sigmund Corp. Ils ont même mis une petite pancarte pour les toilettes. Ok, on va descendre à la fête en bas. Parce que oui, c'est vrai que je ne l'ai pas traduit, mais en bas, en fait, il y a une fête. Je sais plus si on a vu la neige dans la première séquence, quand on voyait l'extérieur. Quoi? Je viens de me rappeler, est-ce que tu peux aussi me prendre du gâteau avec la boisson? Comment sais-tu qu'il y a du gâteau? Il y a toujours du gâteau. Et j'en veux. Eh ben, choisis-en. Choisis un des deux. Je ne suis pas ta servante. Serveuse. Alors, qu'est-ce que tu veux prendre? Neil? Je réfléchis. Écoute, je dois y aller. Je te rappelle. Manigance style. Oh, hé, hey, Eva! Roxy, tout va bien? Hmm? Oh, eh bien, on est allé dehors pour prendre quelque chose dans la voiture et... Eh ben, tu sais... Encore eux, hein? Eh ben, c'est cette époque de l'année. Écoute, ne dis rien aux autres, d'accord?
Je ne veux pas que tout le monde soit tendu à cause de ça. Peut-être qu'ils seront tous partis quand les autres... quand ce sera l'heure de partir. Ouais. J'espère. Allez, allons voir ce que font les autres. Ok. Donc oui, il y a des gens dehors qui lancent des tomates pourries. Ce n'est pas trop le moment de sortir. Yes, c'est Noël! Ok, allons parler avec tout le monde. Hey, Eva! Hey! Comment s'est passée la dernière mission? J'ai entendu que vous autres aviez rencontré quelques complications? Non, ça a été... c'est l'administration qui s'est mise sur notre chemin. Mais j'essaie d'oublier le travail maintenant. On en aura bien assez plus tard. Taïma et moi étions en train de discuter de nos goûts sur les peintures de l'art baroque. C'est trop bien! Oui, c'est bien. Eva, ma chère. Salut, Taïma. Tu sais, tu n'as jamais répondu à mon mail au sujet de mon neveu. J'ai joué une photo de lui et tout. Merci, mais je ne le regarderai pas. Oh. C'est ce garçon, Neil, n'est-ce pas? Hein? Non! J'aime garder ma vie privée et ma vie professionnelle séparées. Waouh! Eh bien, c'est juste une raison de plus pour laquelle mon neveu est parfait pour toi. Vous deux allez être si heureux ensemble. Non. Hey, Willis! On dirait que Logan est en train de draguer ta meuf par là. Attends, quoi? Elle n'ira nulle part. Oh, je ne sais pas, Willis. Logan chante comme un ange. Ah bon? Oui, Willis. Et j'ai entendu que c'est un excellent danseur aussi. Ah bon? Eh bien, j'ai trois poils sur le caillou. Et chacun d'entre eux est prêt à se battre contre lui sur le parking. Ok, ça devient trop bizarre pour moi. Dis-le-moi si tu changes un jour d'avis à propos de mon neveu. C'est vraiment une affaire. Est-ce que cette boisson est alcoolisée? Aucune idée. Mon Dieu. Où est Neil? Dans son bureau. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Comme d'habitude, je vois. Ça va, Eva n'est pas la nounou de Neil non plus. Au fait, merci d'avoir couvert mon double appel hier, Willis. J'ai entendu que ça s'était bien passé. Pour le moment, oui. Ça a été une saison assez agitée pourtant. Vous ne pensez pas que vous pourriez prendre un peu de repos, et Taïma aussi? Ah, ne t'inquiète pas pour nous. Nous avons toujours un peu d'énergie dans nos vieux os. De plus, certains patients préfèrent avoir affaire avec des praticiens avec un peu plus d'expérience. Je veux juste être sûre, Willis. Vous avez vos limites, vous aussi. Eva, je suis tranquille quand je sais que lorsque le jour viendra, notre destin reposera entre vos mains. Hé, ne soyez pas si sombre. Ok. Et vous deux? Je suis pas sûre de savoir quoi faire, Eva. Comme nous sommes tous ensemble aujourd'hui, Eddie a été autorisé à boire. Mais maintenant, il n'arrête pas de parler. Peut-être qu'il a juste besoin de quelqu'un et qui peut l'écouter.
Ouais, c'est ce que je crains le plus. Eddie, tu sais ce qui me dérange, Lisa? On peut changer les souvenirs, et pourtant, je ne peux toujours pas rendre mes cheveux aussi brillants que ceux de Logan, ni aussi soyeux que les tiens. Ouais, c'est une tragédie. Joli chapeau. J'aimerais avoir des cheveux brillants. Si brillants que ces cheveux les mettraient en valeur. Rêve toujours, Eddie. Ah là là. Roxy? Écoute, je sais que c'est dur de ne pas y penser, mais t'en inquiéter n'arrangera rien. Je sais, mais. Quel était le souhait de ton dernier patient? Oh, eh bien, elle voulait voir le monde. Et est-ce qu'elle l'a fait? Oh oui, nous l'avons emmenée partout. J'ai même vu des endroits que je n'avais jamais vus. Elle était tellement heureuse. On dirait qu'elle a vraiment apprécié ce que vous avez fait pour elle. Tu as aidé beaucoup de personnes, Roxy. Je suis sûre que s'il pouvait te parler, il te le dirait. Ce qu'il y a là-dehors n'y change rien. J'imagine. Je me sens mieux en pensant comme ça. Merci, Eva. C'est les fêtes. Ne laisse pas ça gâcher. Ne laisse. Oui, ne laisse pas ça gâcher l'ambiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pas encore parlé? Il me semblait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait arriver. Ou alors il faut que je reparle à Roxy, peut-être. J'adore la sensation de la neige craquante sous tes pieds. C'est comme faire craquer le papier bulle pour les bottes. J'ai hâte de voir la prochaine chute de neige. Ah, voilà, il fallait que je reparle. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. Ne va pas dehors maintenant, Eva. Je sais, Roxy m'a dit. Ces gêneurs persistants. On dirait qu'ils sont là pour un moment. Dis rien aux autres, Eva. Peut-être qu'ils vont se disperser. Je sais, croisons les doigts. Est-ce que tu as pu avoir tout ce dont nous avions besoin? Oui. Ouais. C'est prêt, Eva. Viens me voir dès que tu peux. Ok, allons-y. On a reçu le signal. Alors, Neil, qu'as-tu pour nous? Ferme la porte. Pourquoi? Parce que je suis supposée utiliser cet ordinateur pour travailler, tu te souviens? Si Rob voyait ça, il serait tout encore en train de feignanter, Neil. Et elle laisse la porte ouverte. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, prends mon siège.
viens de ça. S'il te plaît, dis-moi que tu l'as plié toi-même. Allez, ils en avaient des centaines, je vais dire des milliers. De plus, ce n'est pas comme si Lily et les enfants allaient en avoir besoin. Et à quoi ça te sert? Déclencher la mémoire, pour commencer. Maintenant, lance ce programme. Je ne sais pas si j'en ai envie. Allez, j'ai travaillé dur dessus. Ok, Neil, let's go. Quoi? Ta-da! C'est irrespectueux. Eh, hey, les jeux vidéo sont une forme d'art. La loi l'a autorisé il y a des années. Oui, mais ça pourrait bien tout annuler. Allez, tu as même pas encore joué. Vas-y, essaye-le. Allez, c'est parti. Ok, j'ai 4 vies. Voilà, récupérons le parapluie. On monte dans le phare et on passe au prochain écran. Ah oui, il y a des il y a des zombies, Eva. Ça te dit quelque chose? Ok, on va passer vite fait. Après, c'est parce que je vais vite, c'est pour ça que j'ai autant de mal. On a des cœurs de temps en temps, mais. Des olives diaboliques! Allez, voilà! Ouf, on a passé les olives diaboliques. J'ai récupéré mon troisième cœur. Non, zut. Non, pourquoi je suis allée par là? Bon, ce n'est pas grave, il faut juste que j'aille suffisamment vite pour ne pas qu'on s'attarde trop sur cette partie-là. Ah! Oh, mon sang. Je suis dégoûtée parce qu'ils disent que les mini-zones durent 20 à 30 minutes et moi je mets toujours genre 3 quarts d'heure et tout. C'est pas possible, c'est 20 à 30 minutes si on compte pas. Si on ne compte pas les moments joués. C'est pas possible autrement. Thank you.
les suive dans ce sens-là plutôt. Peut-être pas. Ou un mix des deux. Ok, un mix des deux. Alors, prochain écran. Ok. J'ai tous mes cœurs, donc ça, ça va. Je crois que c'est là où ça commence à devenir infernal. Dans le phare. Hey, j'avais eu l'habitude de faire des jeux comme ça quand j'avais ton âge. Qu'est-ce que... Comme c'est mignon, est-ce que cette petite tête te représente, Neil? Depuis combien de temps êtes-vous là, les gars? On dirait que tu es encore en train de feignanter. Ah, je t'avais dit qu'il dirait ça. Sortez de mon bureau, ceci est mon espace personnel. Allez, allez. Tu vois Eva, c'est exactement ce qui se passe quand on laisse la porte ouverte. Je ferais tout aussi bien d'aller m'étirer un peu les jambes. Je ne réalisais que tu ne m'avais pas apporté ma boisson. Tu peux continuer à jouer, cependant. Ok, on va essayer de terminer ça. Oh, 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 oh. Oh non. Ah oui, il faut... Il fallait juste que j'aille là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On y est presque. Voilà. Et ensuite, je ne sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille l'amener. Passage du tape taupe, donc c'est dans les, je sais pas si vous vous souvenez, dans les souvenirs d'enfance au niveau de la fête foraine. Donc... Là, hop, on a le souvenir suivant. Voilà. On arrive au niveau du ciel nocturne. Et voilà. On apporte l'ornithorynque arriver sur la lune. Vous voyez, on voit même le petit lapin et tout. La tête, la lune qui fait son gros ventre jaune et ses petites pattes. Voilà, donc on a réussi toute la partie retour vers l'enfance de Johnny. Et là, c'est le moment où Eva commence à jouer avec nous, jouer avec nos nerfs. Elle est vexée. Hé, Eva, est-ce que... Ok, donc voilà. Il n'y a plus de Eva, donc on va... On va partir à sa recherche. Alors, Oui, c'est vrai que maintenant qu'elle l'a caché, normalement on ne peut plus lire son journal. C'est un peu dommage.
Je réessayerai une partie sans qu'Eva visite son bureau et qu'elle cache son journal. On verra si ça change quelque chose. Alors, voyons les autres. Et ensuite, t'étais tout... Regarde mes cheveux! Touche-les! Mince! Je ne boirai plus jamais de bière. Plus d'un verre de bière. Désolée pour tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? T'étais pas là? Bien! Au moins une personne qui ne l'a pas vue. Et dis, mais qu'as-tu fait de ton corps? J'ai entendu dire que tu jouais encore à un... jeu dans ton bureau. Hein? Des rumeurs, évidemment. Où sont partis les autres? Wissa et Ima sont rentrés chez eux. Mais je ne sais pas trop où est parti Robert. Je suis étonnée que personne n'ait été appelé aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir une petite réunion tranquille. Et on a déjà repoussé la fête parce que Lisa et Eddie ont été appelés la semaine dernière. Et pourtant, tu n'es pas venu nous rejoindre. Eh oui, tu te plains que la fête a été repoussée et pourtant... Et pourtant, tu ne te joins pas aux autres. Est-ce que tu cherches Eva? Ouais, comment tu le sais? Je viens juste de la voir... down the hall... je viens juste de la voir dans le hall, avec un air vraiment énervé. Attends, et tu dis que c'est de ma faute? Eh bien, quand je regarde ton visage, j'ai l'impression que tu m'énerverais pas mal si t'étais mon partenaire. Mais je te le dis de la façon la plus gentille qui soit. De quelle manière ça pourrait être gentil? Bon, merci pour l'info. Je vais aller voir ça en haut. Le personnage de Neil est trop marrant et c'est trop sympa de voir les relations qu'ils ont entre eux et puis avec leurs collègues. C'est marrant de voir que chacun a leur petit caractère et puis il y a de l'ambiance chez Simon Corp. Rien ici, ok. Hé! Tu n'as pas fini le jeu. J'y ai assez joué. Ne me dis pas que tu es fâchée à cause des zombies Eva. Tu les as créés toi-même, tu te souviens? Et à l'évidence, c'était une blague. Je te demanderais bien quand est-ce que tu es devenue aussi coincée, mais tu sais... Viens par ici, Neil. Est-ce que tu vas me frapper? Je me suis entraînée avec mon Karakunshun, je te préviens. Je te le dis, mes mains sont comme la foudre. Même moi, je ne peux pas contenir. Elle est vraiment fâchée. Pas d'humeur à rigoler, en tout cas. Waouh. C'est un record, pas vrai? Roxy a dit qu'ils étaient là depuis ce matin. Ça
fait beaucoup de dévouement pour aucun salaire. Quand j'ai signé pour ce boulot, je pensais que ce qu'on faisait était... que c'était respectable. Réaliser des rêves, tout ça. Mais ceux qui nous remercient sont les morts, et ceux qui nous soutiennent sont les mourants. Tu n'aimes peut-être pas comment je fais les choses, mais je les fais pour le bien du patient. Et plus souvent que je ne voudrais, pour ton bien. Pour t'éviter d'être renvoyé. Ouais, félicitations, c'est une réussite. Tu penses qu'ils ont raison ? Tous ces gens dehors, ils se tiennent là parce qu'ils pensent avoir raison. J'espère que non. Mais tout le monde a ses croyances. Ils sont nombreux, mais n'oublie pas qu'il y a aussi de nombreuses personnes derrière nous. Tu te souviens de Lily ? Ceux qui sont satisfaits éprouvent rarement le besoin de s'exprimer. Mais nous devons nous rappeler qu'ils sont là, et nous souvenir de chaque patient à qui nous avons rendu visite. Se souvenir combien nous avons essayé. Se souvenir combien nous avons essayé, et comment ils ont quitté ce monde avec un sourire au lieu d'un froncement de sourcil. Parfois, ce moment de bonheur partagé est tout ce qui fait que ça en vaut la peine. Tu es sous, Neil ? Hey, je ne fais que recycler les paroles de Rob, là. Laisse-moi tranquille. Mais écoute, si tu me demandes... si ce qu'on fait en vaut la peine, je pense que oui, pour cette brève fraction de seconde avant qu'il passe de l'autre côté. Est-ce que ça te suffit ? Parfois, je ne sais pas vraiment. Et toi ? Est-ce que tu es heureux de faire ce boulot ? Hey ! Je suis juste content de me faire un max de blé. Je sais pas toi, mais moi, je suis totalement friquée. À l'épicerie, je suis genre... ouais, comme si j'allais payer 5 centimes pour un sac plastique. Je vais vous donner 1 euro. C'est comme ça que je marche. Tu sais, ce jeu que tu as fait... il n'est pas si mal. Je t'écoute. Je veux dire, les graphiques sont carrément dépassés et le gameplay est nul, mais... je suis surprise que tu te souviennes d'autant de choses sur River et Johnny. Ouais, désolé pour les zombies. Mais tu devrais vraiment y jouer jusqu'au bout. À la fin,
tous les zombies en Eva se rassemblent et deviennent les héros qui sauvent le monde. Vraiment. Vraiment. Et il y a des feux d'artifice et des pom-pom girls. Et tous les Johnnies et les River chantent ton nom. Je pense que je devrais aller le finir. Attends. Non. N'allons pas si vite. Le jeu n'ira nulle part. Tu peux le finir dans une... Non, 2 semaines. Allô? Merci pour la réduction, mais nous ne recherchons pas de service de déblaiement de neige maintenant. Tu devrais mettre ton numéro Tu devrais mettre ton numéro sur liste rouge. Ça bloquerait la plupart des démarcheurs. Je plaisante. On est appelé pour un patient en condition critique. Attends, quoi? Bien compris, nous arrivons tout de suite. Tu es sérieux? Ouais, allez viens, on peut pas se permettre d'être en retard. Tu ne peux pas plaisanter avec ce genre de choses! Sérieux? Neil? Et voilà, c'était le premier mini-sode sur To The Moon. C'était pas une découverte parce que j'y avais déjà joué. Par contre, c'était un peu galère de devoir tout traduire et tout. Je ne sais pas encore si je vais le faire aussi pour le deuxième épisode, le deuxième mini-sode. Par contre, en tout cas, le mini-sode, ainsi que A Bird Story que je vais faire aussi après, ça par contre, je n'y ai pas encore joué, donc ce sera vraiment des découvertes totales et... J'ai juste hâte d'y jouer parce que j'adore vraiment l'univers de To The Moon et ouais, du coup découvrir le contenu de l'histoire avec vous, ce sera un vrai plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit mini-sode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Salut !